Et yop tout le monde, c'est Maxime, on se retrouve tout simplement aujourd'hui pour vous dire que tout simplement, je vais vous faire voir comment je travaille sur streaming, enfin pas sur streaming, sur OBS on va dire, parce qu'il y avait OBS et Streamlabs, et j'ai pas vous mentir, OBS, voilà, nous avons le premier truc, les abonnés, donc on va commencer par les abonnés sur cette vidéo, après l'image, ça c'est sur internet, c'est facile à mettre. L'overlay du jeu, ça sera sur une autre vidéo. La webcam, on pourra vous le faire voir. Donc, on va commencer tout de suite. En gros, vous appuyez sur plus. Et c'est capture de vidéo. Alors, capture de vidéo, faut le trouver. Est-ce que je trouve pas? Il est là, périphérique de capture de vidéo. Tu cliques dessus en gros. Et après, ça mettra ça. Après, il faudra faire propriété. Il faudra mettre la périphérie, la caméra. Après, voilà. Ça, c'est fait. Le potu, ok. Hop. Capteur d'écran, capteur de jeu, bien sûr, toujours. Alors, après, on va passer aux abonnés. Donc, les abonnés, c'est super simple. Faut aller sur internet. Faire ça. Live. Sub. Cybercount. On a le truc là. Oh, mais par exemple, Maxime, moi, je sais pas. Voilà quoi. Après, on prend ça. On va bien sûr le coller dans propriété. On fait ça. On ajoute avant. Parce que, pas vous mentir. On ajoute. Donc, on ajoute, c'est-à-dire qu'on a sur plus. On fait capture. Navigateur internet, je sais pas quoi. Navigateur. Comme quoi, vous voyez le petit monde. Après, vous mettez abonné. Après, moi, je vais arriver là directement. Donc, en largeur et en hauteur. 1920 sur 1080, j'ai mis. Après, dès que vous avez fait ça, vous l'avez mis bien sûr l'URL dans copier là. Vous faites OK. Vous allez dans filtre. On commence toujours par rogner et encadrer. Nous mettons après en deuxième tout ça là 925, 425, 685, 500. Donc, je vous laisse un peu de temps pour regarder. Voilà. Après, en deuxième, incrustation par combinance. Là, c'est simple. Faut mettre que DF parce que moi, mon fond était blanc. Donc, vous pouvez voir, c'est blanc. Après, si c'est vert, vous mettez vert. Si c'est, ça dépend de la couleur. Après, similitude 1, 1. Finesse aussi 1. Sur 1000. Sans opacité, contraste et luminosité gamma. J'ai mis à moins 1, moins 1, moins 1. Mais après, je vous ferai voir sur Streamlabs. Ce n'est pas pareil. Et moi, il y a ça fond, ça. Et après, bien sûr, pour la couleur, je vous ai déjà oublié. Donc voilà, pour la couleur, j'ai mis en jaune. Après, on peut mettre comme on veut. Voilà. Donc, les matchs, je vous l'ai dit. La webcam, je vous l'ai dit. Donc, l'overlay du jeu, ça sera une prochaine vidéo. Capture d'écran, capture de jeu. Voilà, c'est fait. Après, l'overlay du jeu, c'est tout l'overlay. C'est-à-dire tout ce qui est abonnement, tout ça à faire. Ça, je vous ferai voir après. Donc, je vais vous faire voir quand même Streamlabs pour ceux qui. Entre Streamlabs et OBS, moi j'ai bugué sur OBS, sur Streamlabs c'était là. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai bugué. Donc je vais vous faire voir quand même. Donc voilà, spectateur, donc nous avons les spectateurs en haut qui s'affichent là. Les alertes bien sûr de box. L'overlay du jeu comme tout à l'heure. On a l'abonnement que je vous ai dit. L'image que j'ai mis. Webcam qui est là, mais bien sûr, elle est de l'autre côté, donc on peut pas. Et donc, c'était Patrick Montpareil à partir des abonnés que je voulais vous faire voir. Donc, propriété. Et bah, c'était filtre, je me suis trompé. Donc, filtre, voilà, les mêmes greniers, clé, combinatrique, voilà. Donc, je vous ai dit contraste, luminosité, c'est 1 à la place de moins 1. Voilà. Voilà. Donc, c'est exactement pareil. Sauf que le problème sur celui-là, c'est que bah celui-là, on va le faire parce que propriété, on va faire. Je vais le mettre sur l'autre. Hop. Contrôle C. Alors, on va l'ajouter là. On va l'ajouter, on va mettre ses navigateurs. Le petit navigateur. Spectateur.
Après ça se trouve exactement sur Streamlabs, mais je vous fais voir, j'ai le temps. Ça fait pas 10 minutes, donc j'ai le temps de vous le faire voir. Tac, tac. Ah voilà, il se trouve juste là-haut. Donc après, le mieux c'est de le mettre sur propriété, et voilà, on va le mettre en 1920 sur 1080 comme d'habitude. Voilà. Ouais, là il est un peu bugué, je trouve. Je sais pas pourquoi il a fait ça là. Tout à l'heure j'ai sûrement grandi, donc c'est pour ça qu'il a. Il a changé de gueule. Et voilà. Donc il se trouvera juste là-haut. Donc si j'enlève ça, regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà, donc maintenant on va aller voir sur l'autre truc sur Stream pour faire voir aussi un truc comment j'ai trouvé ce truc. Donc il faut aller dans Dashroom Streamlabs et vous allez tout simplement dans les box. Je crois que c'est l'art box. Non, c'est bien. Alt widget. Bon, après, vous mettez un bien sûr, toujours traduire en français. Alors ça se trouve exactement. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Objectif, sondage, objectif, non. Nombre de spectateurs, voilà. Donc on clique dessus. Et là, bien sûr, vous avez l'URL à copier et à coller, bien sûr. Voilà, c'est synchro. Et après, vous collez, bien sûr, dans ce que je vous ai dit. C'est une petite vidéo juste pour vous faire voir tout ça. Bon, j'espère que vous avez compris un peu. En vrai, c'est assez simple, mais c'est assez complexe. Donc, la prochaine vidéo, ça sera sur simplement, ça sera sur. Je vais vous faire voir. Sur, voilà, sur l'application de Dash Streamlabs. Et bien sûr, sur l'application. Qui se trouve là, StreamElement. Stream, ouais, StreamElement. Voilà. Voir tout de suite, un peu vite fait. Toujours autorisé, toujours aller dans les paramètres, toujours se connecter, toujours faire ci, faire ça. Voilà. Et après, bien sûr, vous avez tout ça. On voit tout, on sait tout. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il faudra faire le reste. Mais je me rappelle plus trop. Je vous dirai ça la prochaine partie. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un grand maximum de pouces bleus, j'espère que ça vous aura aidé. Donc je compte sur vous pour lâcher bien sûr un maximum de pouces bleus, à vous abonner, je vous dis à la prochaine, ciao!